Yo tout le monde, yo les riders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve sur le spot. Et je crie tout seul, je suis un peu con. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement parce que je vais vous donner un petit tips qui va vous aider à vous améliorer en drift. Oui, ça va t'aider à t'améliorer en drift. Pour cela, il vous faut, bien entendu, moi, une moto et, le plus important, des cônes. Et tu vas avoir besoin de cônes. Pas des cônes à fumer, hein, des cônes de chantier. Je tiens à préciser, hein, parce que beaucoup... Non, tu me la fais pas. T'as pensé aux cônes. Ces cônes vont vraiment être un repère visuel pour votre regard, mais vont aussi vous servir à faire des portes. Des portes qui vont vous servir à passer en drift, de façon à créer des exercices en quelque sorte. Moi, je pense que je vais utiliser des cônes, plus je vais utiliser le trottoir. Vous allez voir. Première étape, on va aller placer ces petits cônes. Puis on va le placer ici. Putain, les gens sont dégueulasses, il y a du citron là. Putain, ça va que c'est biodégradable. L'autre qu'on va placer juste ici, voilà, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Et celui-là, juste là-bas. Bon voilà, les cônes sont installés. Attendez, je vais enlever le masque, désolé. Je viens de me faire interpeller. N'oubliez pas, très important de mettre le masque pour éviter la contagion avec les gens. Et les gens ne font pas attention, croyez-moi. Voilà, les cônes sont mis. Je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez bien. Le but de l'exercice va être très très simple. Il va falloir que je vienne juste ici, en drift là. On va essayer de faire le circuit à pied. Que je serre ce cône qui est juste ici, en drift. Donc un drift bien serré. Là, une fois que mon drift est bien serré, je viens élargir dans cette autre porte. Pour aller choper juste là-bas le cône juste ici pour passer en drift et revenir dans la porte juste ici. À quoi va servir cet exercice? Comme vous pouvez vous douter, ça va servir à vous améliorer, que ce soit en serrant vos drifts et en élargissant vos drifts. Après, deuxième parcours, deuxième tips en quelque sorte. Pareil, au début on fait la même piste, c'est-à-dire qu'on fait drift serré sur le cône. Après, on revient sortir de ce drift serré en élargissant jusqu'à l'autre cône juste ici. Mais au lieu de rechercher l'autre cône juste là-bas, on se serre sur ce cône-là. Voilà, tac. Et après, on retourne sur cette porte là-bas. Et cet exercice va vraiment être parfait pour vous améliorer en drift, pour que vous placiez la moto parfaitement. Vous serez le dieu du drift. Tu seras le dieu du drift après. Et bien voilà les mecs, la petite vidéo tips c'est fini avec un magnifique coucher de soleil. Regardez-moi ce flair, il est magnifique, franchement il est beau. Puis des vitamines, ça fait du bien des vitamines. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit tips surtout vous aura plu. C'est pas un tuto, c'est pas une explication de comment faire des drifts, c'est vraiment un tips pour vous aider à améliorer vos drifts. Bien entendu pour tous ceux qui ne savent pas faire de drift, je les invite à aller voir cette petite vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an. Je me doute qu'il y en a pas mal qui ne savent pas faire de drift et qui sont qu'au début du drift. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ça va vous expliquer les bases
du drift en soi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous referai une vidéo où je réexpliquerai comment faire des drifts. Je vous ferai quelque chose d'encore beaucoup plus simple. Tuto pour les noobs en quelque sorte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un dislike. Tout commentaire est constructif, vous le savez, vous le savez. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, c'est grâce à vous, donnez-moi la motivation. Et surtout, ça donne la motivation de vous refaire encore plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace les mecs. Vous croyez que j'ai un pet au casque? Faut que j'arrête de faire le con avec mon cône. Je suis un peu con avec mon cône. Je suis un peu con.